Et bonjour tout le monde. Alors, on va reprendre la partie aujourd'hui. Le but, donc, ce sera de partir direction est. Et j'avais dit justement que l'important, je pense que ce serait quand même déjà de commencer par ça. De prendre leur base aérienne. Je ne sais pas si moi après je vais pouvoir. Non, de toute façon, j'en ai déjà une aussi. Je crois qu'elle était toute à l'ouest. Tout à l'est. Puis je vais partir à l'ouest. Je commence à confondre. Ça ne va pas le faire. Et pour le moment, je ne peux pas construire d'avion de toute façon. Il me semble que cette zone-là, j'avais fouillé la dernière fois, mais je ne sais pas pour quelle raison est-ce que le brouillard est revenu. Bon, bah écoutez, c'est comme ça. J'avais un gros problème également, c'était la munition. Et puis, il me fallait également du RPG. Alors, eux, ils en ont plein. Eux, ils sont full. Eux, ils sont full. Mais c'est les suivants qu'ils n'en ont pas. Par contre, ils ont des flingues. Mais ça, on s'en fout aussi un petit peu. La munition, en fait, ça a l'air d'aller. J'en étais à où? Je sais plus. Où est-ce que... Ça, c'était quoi? Du Kar 98. Oui, voilà. Là, ça commence à manquer. Et après, là, ça va pas. Mais il va falloir, de toute façon, que je ramène du monde. Il va falloir qu'on soit un petit peu plus nombreux qu'eux. Là, je vois qu'on a 13 groupes. Ils en ont 11. Et puis, ça risque quand même... vu comme ça s'était passé la dernière fois, donc je vais perdre quand même pas mal de troupes. Je me demande si je devrais pas créer un groupe, par exemple sur Yucta. Qu'est-ce qu'on a ici? Ici on n'a pas d'armes, donc on va regarder. Par contre, ils ont énormément de fusils RPG. Il n'y a personne sur Yucta, donc on va créer, je pense, là-bas. En plus des réservistes, il y en a 86, donc c'est pas mal. Ce que je vais faire, je pense. Alors les UMP, je vais pas en faire. On a quoi? Du Mosin-Nagant en 7,62x54. Est-ce que j'en ai? Du 7,62x54, il y en a quand même pas mal. Je pense que je vais faire ça. Là, je vais pas me planter cette fois. Et c'était sur Yucta déjà? Oui, c'était bien sur Yucta. 7,62x54, Yucta, on en pose. Allez, on va dire 6000. On va se faire. Créer bataillon. Et puis. C'est bizarre. Déjà, je vais mettre play. Et, ah oui, non, mais faut peut-être que je sélectionne le bataillon aussi. Le 30e. Pourquoi il n'y est pas? Bon, il n'y est pas là. Peut-être qu'il va se mettre après, je sais pas. Ah bah non, je peux pas là. Si, maintenant il est là. Il est là. Et par contre, je peux pas créer. De nouvelles forces, pour quelle raison? Je sais pas, alors peut-être qu'il faut attendre qu'il soit complet. Bon, à voir. Il va falloir également. Ah, est-ce que j'ai. Oula, attention, Coppelius, qu'est-ce qui manque? De la bouffe. Exactement. Il va falloir amener de la bouffe là-bas, du coup. Ici, j'en ai 2008. Ici, j'en ai 7006. Sur Compilios, on va vite amener de la nourriture. Il me semble que j'en avais amené quand même la dernière fois. Ah ouais, mais c'est surtout la 121e qui consomme énormément. À Lens, eux, ils en fabriquent pas. 611. Production. Je ne peux pas faire de pain. Par contre, je peux faire de la viande. Sur Lens, justement. Ah bah tiens. Est-ce qu'il y a tout hasard en construction? C'est pas ce que je faisais moi. C'est en cours de fabrique, mais je peux déjà en faire. Bon, bah écoutez, pourquoi pas. Ah oui, c'est vrai que le commerce, j'avais complètement zappé. De l'aluminium. Aluminium, c'est vrai que ce qu'il me faudrait, c'était du fer. D'ailleurs, il faut que je voie les ressources. Et puis ça aussi, ça pourrait être pas mal. Ouais, j'ai fait absolument aucune recherche sur les lunettes. Il va falloir que j'en fasse. Particulièrement que la dernière fois, d'ailleurs, j'ai commencé à fabriquer, c'était des SKS. Sur Omelusha. Je mets play, j'ai oublié de le laisser. Omelusha, là, tu m'en as fabriqué combien déjà? 15, c'est quand même pas mal. Et c'était du 7,62x39. Je me demande d'ailleurs si je vais pas la fabriquer sur la 30e. On va juste mettre un tout petit peu plus rapide.
Pourquoi ça monte pas? Est-ce que c'est un problème d'arme? Faut juste que je... Ah oui, ça doit être un problème d'arme. Du coup, on va mettre du SKS à bas. Du SKS... Ah non, mais c'est pas là que ça fabrique. C'était où? Bah c'était à Yucta, non? Je suis en train de déconner. Non, à Omelusha, là-bas, tu m'amènes du SKS à Yucta, les ventes. Et puis le SKS, c'était du 762, hein, 762 x 39. On prend Yucta. Non, pas Yucta. Yasni. Et t'amènes ça à Yucta, 762 x 39. Il me semble que j'en avais amené aussi, mais bon, bref, c'est peut-être pas arrivé, je sais pas. Ok, Yucta. C'est du 762 x 54. C'était pourquoi déjà du 762 x 54? J'en avais amené ou c'était déjà en stock, je sais plus. 762 x 25? D'accord. Maintenant, voilà, maintenant ça monte. Ok, donc en fait, tant qu'il n'y a pas d'armes. Ah, parfait. Je pense que je vais partir maintenant sur le réflexe parce qu'il y avait quoi d'autre? Il y avait des armes, c'est bien, mais il va vraiment falloir. Il est où le SKS? Elle est là. Ok, j'ai foutu ça. Puis après, je vais faire du AKM. Mais ça, c'est complet aussi. Ouais, non, non. Pour le moment, on va se mettre les réflexes x4. 66 jours quand même. Mais c'est pas grave, il me le faut absolument. Donc on va faire ça. Maintenant je peux fabriquer ça aussi. Le fer 25. Par contre, 3 fers, 5 fers, 8 fers, 10. Oh là là, ça commence à faire beaucoup. 12. Je consomme 12 déjà. 13. 16. Ok, 16 fers. Ça, c'est de l'alu. Où est-ce qu'il est le fer? Là. Et je reçois combien? 20, 150. Ça, c'est quoi? C'est le stock, Yucta. Ça, c'est le stock. Oups. Économie. Ça, c'est là. Reçu 440, dépensé 707. Ah bah tu m'étonnes, pour le moment j'en ai 1147, c'est bien ça? Pas du tout, 209. Ah non, c'est là, en stock, 209, donc ouais, ça va très vite baisser là. C'est-à-dire que bah, au prochain coup j'ai plus rien. Puisque ça en consomme quoi, 200, 200, un peu moins, 260, 253. Ouais, je vais avoir un problème de fer. Est-ce que dans le commerce je pouvais en acheter? Je crois pas, hein, aluminium, aluminium. Non, le fer, je crois que c'est demandé de partout de toute façon. Et ça, je suis sûr que ça va m'en demander aussi. Mais je pourrais aussi en acheter. J'en ai combien des sous? Je suis à 30 000. Ah là 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 là. À 3 000 pour 30 400. Ah, je crois que je vais arrêter d'en fabriquer en fait là pour le moment. Ça me paraît tout à fait faisable. Ouh, il y a beaucoup de choses à vendre là. 2 pour 2800, c'est franchement pas cher. Mais c'est des Humvee. Des Humvee, on sait pas trop ce que ça consomme comme munitions, mais je pense à la même chose. Qu'est-ce que je fais? Déjà, de toute façon, il va falloir que je baisse la production de munitions. Ça, on va garder. Du 12-7. Du 12-7, c'est quoi qui consomme du 12-7? 14-5, ok. Du 14-5 pour les deux. J'avais un autre véhicule aussi, mais je peux pas en crafter. Je peux voir directement sur la 121e.
Du 14-5. Alors déjà, je vois pas pourquoi je fabrique du 12-7. Ça, on peut virer. Ça consomme que 2 fers, donc ça va. Ça, je crois qu'on peut arrêter parce qu'on en a déjà suffisamment. Et du 7,62 x 39, ça consomme que 1 fer et ça 3 pour du 14,5. Ah ouais, d'accord. 14,5, on va arrêter aussi. On la fabrique déjà d'un côté, c'est pas la peine de rajouter. Maintenant, si je vois. Voilà, maintenant c'est bon. On est en positif. Non, on n'est pas en positif, on est toujours en négatif. Attends, si je mets play. On est toujours. Je vois pas pourquoi. Bon. On verra après quand je serai. Ah, c'est bon, diplomatie. Quand je serai dans la merde, en gros. Ils sont nouveaux, eux, ils sont en guerre depuis quand? Et Wallen, ils sont où Wallen? On sait pas trop. Bon, en tout cas, Sombre, ok. C'est pas grave. Du coup, j'étais chez eux. Je suis à moins 2, on va continuer à améliorer, hein. Je sais même plus si ça avait marché ou pas. C'est qui ça? Ok, ça va, c'est des potes. Ce sont des alliés. Ah oui. En ce qui concerne la 30e, comment ça se passe maintenant? Là, c'est bon, je peux créer. Là, ils prennent du SKS. Je pourrais m'acheter également. Ouf, par contre, je sais pas si ça va être très utile, mais je vais quand même en avoir besoin. Ils sont. C'est trié, ouais, c'est trié par type. Hein. Ouais, c'est bien trié par type. Et donc, ET, Dockside, T4, Dockside. Je peux en acheter 103 premier, 339. On va faire ça. Et normalement, je crois que ça arrive sur Yasni, sur la capitale directement. Et ET 50. Non, c'était 100 et quelques, je crois. Ça arrivait où? Est-ce que ça m'a dit la capitale Yasni? C'était du Dockside. Voilà, 103, parfait. On va voir si je te prends ça du Dockside et puis que j'amène ça sur Yucta, par exemple. Je peux pas? Ah, si, quand même. Yucta. Attends, on amène 56. Voilà. Si je prends un 30e, puis que je te dis, tu te rééquipes. Est-ce qu'on peut savoir? Ah, ben, on va regarder directement sur Yucta. C'est pas encore arrivé ou bien ils sont tous équipés peut-être? J'en ai amené combien? Je sais même plus. On va continuer déjà. On va mettre. Je sais pas, équipe standard. On va en mettre deux. Yucta, ils ont combien d'armes encore? Ah, oulala, ils en ont plus beaucoup des armes. Ils en ont que 6. Qu'est-ce qu'on pourrait leur donner encore que je possède ici? Bah déjà du RPG, Yucta. Ouais, alors déjà avec du RPG, ça c'est certain. Juste mettre une petite pause. Sur Yucta, là on va vraiment les équiper. 42, 52. Le temps que ça arrive, il va me falloir. Là je vois que j'ai des belles lunettes quand même, mais il n'y en a que un de chaque, donc c'est pas vraiment utile. Du 98, j'en ai que 6, du Mosin pour du 7,62 x 54. J'en ai beaucoup, on va amener du Mosin. À Yucta. 7,62 x 54, à Yucta. Voilà. On amène beaucoup. Mais faut bien les équiper. Vas-y. On va y aller franchement. Donc là, il se rééquipe automatiquement. Donc là, ça c'est bon. Maintenant, ce que j'ai besoin particulièrement, c'est du fer. Mais du fer, ça sert à rien. Je peux rien faire de plus.
Là, je vais pas fabriquer une deuxième. Ah non, parce que j'ai pas de fer de toute façon. Qu'est-ce que je pourrais bien faire? Qu'est-ce qu'il me manque? À part du fer 222, est-ce que ce serait pas. Ah, j'ai regardé encore vite fait. Non, c'était pas ça, c'était à côté. En fer, on est toujours en négatif. Hein. Puis d'ailleurs, on dépensait 734. Est-ce que c'est ce qui est dépensé au quotidien ou pas? Si je regarde minerai de fer, par exemple, on va dépenser 240. Donc du minerai de fer, ça c'est de l'alu. 696. Bon, 222, je suis à 222. On va regarder après. Si vraiment c'est la merde ou pas, toi tu fais quoi ici? Ça a manqué. Donc on va réessayer. Je disais à 7ème, toi tu vas en ville. Ok, bon, on va attendre un petit peu. Ah non, pas, 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 pas. Qu'est-ce que je raconte? Je suis en train de faire n'importe quoi. De l'alcool. L'alcool, il me semble que c'est utile justement à donner pour les troupes également. Mais c'est la construction. Je peux faire une raffinerie. J'ai du pétrole ici? J'ai du pétrole à quelque part? C'est quoi cette histoire? Il me faudrait du pétrole. Est-ce que j'ai du pétrole? J'ai 250, donc non. Ça sert à rien que je me fasse ça. Il me faut quelque chose d'utile. Mais je crois que j'ai rajouté de la bouffe à quelque part. De l'autre côté, il y avait Alance. Ah, mais ils ont pas de pain. Ils fabriquent pas de pain. Bon, on va faire ça. Voilà. Ok. Yucta, du coup. Qu'est-ce qu'il nous reste ici? Du Mosin-Nagant. 762 x 54, c'est bien ça. On va se faire encore quelques troupes. Mais c'est en train de se faire. Yucta, il me reste combien de réservistes? 47. Je pense que je vais pouvoir m'en faire encore quelques-uns. 44, ça baisse, mais c'est bon. 30. On va s'en faire encore deux, je pense. Comme ça, on aura une troupe quand même. Une bonne troupe. Est-ce que à Yasni j'ai des véhicules ici? Je n'en ai pas, je peux toujours en acheter. Par contre, c'est les uniformes également qu'il va falloir que je prenne absolument. T'amènes tout ça à Yucta. Après, on va les rééquiper directement. Lui, il s'équipe de quoi? Du Mosin. Déjà, on va faire ça. Donc, certains sont équipés, mais pas tous. RPG se rééquipe un petit peu plus, j'ai l'impression. C'est exactement ce qu'il me faut. Mais là, au moins, ils sont à fond dans la munition. C'est parfait. Alors là, par contre, là, ils sont complets. Niveau RPG, les derniers. Et après ça, je pense que je vais les envoyer directement à la 121e. Une fois que ce sera bon. Et puis, on part à la guerre. Ouais. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est la famine. Ici, est-ce que vous avez de la bouffe, de la viande? Est-ce que. Ah, attends voir, attends voir, attends voir. Ah, c'était ça, boîte de conserve. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. C'est bon, ça a réussi. On est en positif avec eux. On va faire la même chose avec eux maintenant. Améliorer. Il faut apporter de la bouffe là-bas. La pescara absolument. À Yasni, il reste quoi? Surtout Yasni, ça c'est le plus important. Il reste encore 3000, ça c'est tout bon. Donc, ceux-là, 5000 sur pescara. Pescara, ici, et t'en amènes 3005. Comme ça, on est bon. Allez, ça va le faire. Compilios, mais par contre. Ce serait pas mal d'envoyer un peu automatiquement, je pense, quand même, à chaque ville, parce que s'il faut regarder à chaque fois, ça va être un petit peu la galère. 736, je sais pas combien est-ce qu'il consomme à Lens. Bon, c'est plus un problème, puisque maintenant il commence à fabriquer de la bouffe. Au réseau de la famine prolongée, un groupe de conspirateurs a commencé à soulever mon armée qui a construit. Ouh là là.
Commencer à préparer l'assaut, les terroristes regretteront leur trahison, annoncer le début d'une opération militaire spéciale antiterroriste. Ignorer cet endroit n'est pas important pour nous, les Américains, alors annoncer le début d'une opération militaire spéciale antiterroriste. Est-ce que... Ah ouais, d'accord! Bon, alors la centième, elle va s'en occuper. Ils sont quand même bien nombreux en plus. Est-ce qu'ils ont la mule au moins? Parce que je me méfie un petit peu là. Ouais, c'est bon. Bon, bah voilà. En fait, il faut vraiment surveiller la nourriture. Hein. Bon, bah, première guerre. Je sais pas combien est-ce qu'ils vont être. Ils sont 10. Bon, bah, automatique. Hein. On va pas s'emmerder. On a perdu combien? On a perdu une troupe. Ça va, tout va pour le mieux. Mais je pense qu'on va... bon, alors, j'en ai besoin tout de même. Il va falloir retourner sur Alliance et puis là-bas, Alliance et le camion arrive pour la nourriture. Normalement, ça devrait être réglé. Du pain, c'est bon, on en a donc ça devrait le faire normalement. Juste regarder encore le fer 222, j'étais, bah oui. Donc ça va, c'est en augmentation. Donc là, je suis bon pour le fer, c'est plus un problème. La 30e, elle en est où? Elle est au complet. Hop, non, attends voir, pas que tu fasses n'importe quoi. Quoique maintenant c'est bon, on est en alliance avec eux. Normalement on peut passer chez eux, donc c'est tout bon. Et puis c'est parti après pour l'attaque. Enfin. Ça me fait 6-7 troupes supplémentaires. Cette section. Donc là, ça devrait être bon, normalement. Mais je vais quand même me faire une petite sauvegarde avant d'aller attaquer. Là-bas, ils sont 17, hein. Là-bas, c'est dangereux, mais ils surveillent aussi leur nourriture. Hein. Accepté. Ok, je fais une petite pause à 121e. Maintenant, ils sont 130. On va juste. Parce que là, ils ont du RPG et la police n'en a pas. On va quand même monter les troupes là. Sur les dernières qui sont équipées quand même. Alors, on va faire ça. En fait, ça les remplace. Bon, bah écoute, on va remplacer tout ce beau monde. Bon, je préfère quand même quelques Kalachnikov tout de même. On va en mettre un petit peu, mais il y en a déjà. Par contre, eux, ils sont peut-être pas équipés. Je sais que ceux qui n'ont pas trop de munitions, on va les mettre en bas. Il va vraiment falloir faire quelque chose aussi pour eux. Hein. On va faire comme ça. Bon, je pense qu'on est bon. Allez. Je pense que c'est tout bon. Allez, c'est parti. Une petite sauvegarde et c'est parti pour la guerre. Allez, je sauvegarde ici. Écrasé. Oui, c'est tout bon. Allez, 121e. On attaque cette zone. Ouh! Si je vais y arriver, hein. Et comme je disais la dernière fois, c'est bien. Deux zones différentes. Donc, par contre, ils ont 9 véhicules. Donc j'ai bien fait de prendre pas mal de RPG. Hein. Il va falloir faire attention. Je sais pas trop ce qu'ils ont comme véhicule, on verra bien. Par contre, le nombre de soldats, ils sont quand même peu nombreux. On est 200, franchement là. On est propre. Je vais perdre du monde hein, de toute façon, mais on est propre quand même. Allez, c'est parti. Premièrement. Ah ouais, c'est une base militaire en plus. Et puis on est tout proche. Ouh là là. Alors là, les gars. On va déjà prendre position comme ça. Ok, et puis 4. Je les vois même pas. Elles sont tout au fond, d'accord. C'était J. Alors déjà, tout le monde descend. Ça commence déjà. Ok. On va quand même les avancer un tout petit peu. En espérant qu'ils ne se fassent pas mitrailler. Toi, pas trop.
Je vais leur dire quand même de se lever, équipe debout. Et après on va leur demander de se coucher. Mais pour le moment ça va là. On en a déjà éliminé deux, parfait. Des véhicules, voyons avoir. Ah ouais, mais c'est une bonne base hein, quand même. Et si je pouvais en récupérer, ce serait pas mal aussi des véhicules. Vaut mieux les bousiller parce qu'eux, ils vont défoncer mes troupes. Quoique, là, il y a du RPG normalement partout là. Ok, ils ont déjà bousillé une bagnole. Je préfère quand même garder. Mais par contre, toi, je t'ai demandé d'être comme ça. Hein. Placer nous-mêmes. Hein. Pour le moment, je n'ai absolument aucune perte, c'est parfait. On va pas nous avancer tout de suite. Hein. Il y a les RPG qui font le boulot là, apparemment. C'est bon, vous pouvez avancer un petit peu. Ok, pour le moment ça va bien, pour le moment ça va très bien. Là je gère le truc. C'est qui avait les SKS déjà? Ah mais ils sont pas là. Vous avez pas pensé à ça. Ils ont que les RPG? Ah non. Oula, 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 oula. Est-ce que c'est mes hommes qui visent mal ou quoi? Là je crois. Bon c'est pas grave, du RPG on en a beaucoup là, on va pouvoir en fabriquer si jamais. Allez-y. N'hésitez pas, bousillez-moi ça là. Ça c'est la guerre là. Ça c'est beau les gars. Yeah, allez-y, avancez. Foutez-moi le bordel. On va les encercler un petit peu. Là apparemment il n'y a plus personne. On va envoyer des véhicules là-bas. On reste toujours à distance. Là, ça devrait le faire. Pour le moment j'ai encore perdu personne, tout va bien. On avance. Et 5. On va les contourner par là-bas, là-bas, au bout du véhicule. Ah, ça a l'air d'aller. Bon, je préfère les gérer comme ça. Bon, ça va peut-être un peu simple aussi. Ils sont pas vraiment nombreux. Il y a du monde, est-ce qu'il y a du RPG? Il n'y a pas l'air d'y avoir de RPG là. Hein. Il n'y a pas l'air en tout cas, donc on va avancer encore un petit peu. Il y a du RPG aussi, on va prendre lui là. Allez, vas-y, on avance là. Ouais, ça me fait plaisir. Mais bon, là on a une bonne vue aussi. C'est que la fois passée. Ah bah tiens, maintenant je pars quelqu'un. Bon, j'ai à peine avisé que je suis là. Bon, ça a peut-être pas mal d'aller là-haut. Bon, là je vais tuer quelqu'un. Mais ça va, j'ai perdu qu'une seule personne pour le moment.
là-bas. Je vais juste voir quand même quelque chose. C'est bon, il vient de péter, je crois. Nickel. Vous rentrez. Le numéro 4, pareil. Numéro 3. Numéro 3, là. Vous allez rentrer aussi. Ils sont en fuite par là-bas, enfin en fuite. Ouais, là ça va, là c'est assez facile en fait. Je sais pas si ça donne ça. Ouh, attention, attention. Ah, par contre. Parce qu'il y a des pays, évidemment. J'en ai perdu toujours qu'un quoi, c'est bien ça. Je crois que j'aurais jamais fait une mission aussi propre. Ah ouais, là, oh, elle est là. On va pouvoir avancer un petit peu. Mais pas trop. Hein. Dans le groupe 2. Je vais plutôt prendre le garant. Pour le moment, je vais voir si j'arrive à me planquer derrière le truc là-bas. Ça tire un peu trop là-bas, apparemment. Il reste 21 sur 59. Ouais, il va falloir que je monte plutôt. Là, par contre, il va y avoir du monde. J'ai peut-être dû prendre ma calache au final. Ouais, il y en a un là-bas qui court. Oh merde. Ouais, franchement, tout ce qui me manque là, c'est quand même des lunettes. Ah, ça court là-bas au fond. Chargé. Ah, il y a du monde là-bas. Ah, au moment où j'allais leur demander d'avancer. On gagne pas grand-chose. Ah, j'ai perdu 3 infanteries quand même, bon, c'est pas grave. Capturer 4, véhicule perdu 9. J'aurais bien voulu en capturer un de véhicule tout de même, mais bon, bah écoutez, tant pis. Donc il est quand même très important de garder du RPG, enfin d'avoir du RPG. Je pense que je vais en remettre en fabrication, et puis je vais en amener vraiment de l'autre côté. C'est ce que je vais faire. Qu'est-ce qui se passe? Me dis pas que ça a planté, hein. Avec une victoire pareille, faut pas que ça plante. Hein. Mais ça me fait un peu peur là quand même. Surtout ce bruit là, quand je bouge la souris. Mon dieu. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ouh! J'ai eu peur là quand même. Hein. Donc là c'est bon. Ok. L'ADENA. Après, on a quoi? 54 là-bas, ils sont pas nombreux, mais là-bas... Ah, mais c'est aussi mes nouveaux ennemis! Donc, c'était leurs potes, en fait. Ok, ok. C'était lesquels? Non, c'était... C'était où, déjà, qu'on voyait ça? C'était dans Diplomatie. Ouais, c'était Wallen. Ok, donc, j'ai de nouveau deux ennemis. Avant, j'avais ces ennemis-là avec ceux-là. Maintenant j'ai ceux-là et ceux-là, et puis ouais, enfin bon bref, on verra après hein, comment ça va se passer. Mais en tout cas, eux, ils ont plus de base militaire. Je pense que eux en fait, ont été les aidés là-bas. Et c'est bien, ça les sépare. Donc là, ils sont pas nombreux. Là, ils sont 7 et 7, je pourrais peut-être même me permettre... Hein, quoique non. En fait, on va envoyer directement... C'était où déjà qu'on fabriquait... Fusil RPG, voilà, 1875, on est bon pour un petit moment là quand même. Allez, 121e bataillon, on en envoie 400, c'est déjà énorme. Et puis de la munition également,
121e, vous avez combien de munitions? 128 en 7,92, 116 en 7,62, donc pour le Mosin. Ils ont du FNFAL aussi. C'était pour les Kalachnikov, AKMS. 7,62 x 39. Ils ont donc 116, donc ça on va en envoyer également. Ça vient de Yasni. 7,62 x 39. Ici, tu me balances ça à la 121e. On va en envoyer 1000. Va falloir que je refasse. Je sais plus si j'avais arrêté la production. Apparemment, oui. Je lui ai dit que j'en avais trop. Ah non, c'est ici que ça en fait. À Compilios. 7,62 x 39. 24 000. On est bon là, les gars. On est bon là. On va laisser tel quel. Franchement, on va laisser tel quel pour le moment. Ok. Là, franchement, belle victoire, je trouve, pour moi. On avance gentiment. On a combien de temps là de la vidéo? 36 minutes. Est-ce que j'ai le temps quand même d'aller attaquer directement? Est-ce que j'ai. Ouh, ça. Ah non, pas tout de suite. Là, ils ont plus de munitions, ceux-là. Comment ça se fait d'ailleurs? 1, 2, 3, 4, 5. Comment ça se fait? Qu'il n'y ait pas de munitions. C'était lequel? J'avais vu zéro munitions avec des SKS. Attends, je comprends pas rien. On est bien d'accord, non? Ouais, voilà, zéro munitions. Ouais, alors les 7,62 x 39, ça va arriver, mais on va les faire venir plus rapidement encore. Compilios. 7,62 x 39. Donc en fait, il faut vraiment les équiper. Allez, vas-y, 6000 pour la 121e. Let's go! C'est bon, le camion arrive. Ok. Ça a encore manqué. C'est pas grave, on va y arriver. 100 pots de vin. Succès de l'adaptation, de la fabrication. Ben dis donc, les jours passent vite, j'ai l'impression. 66 jours déjà? C'était ça, on est bien d'accord. Donc réflexe x4. Ok, on va voir déjà. Juste me faire une petite pause. On va regarder sur la production. Ici, ça consomme de l'aluminium. Est-ce que je fabrique de l'aluminium? Du fer? Non, j'ai pas d'alu, hein. Il me semble par contre que j'en récupère de l'alu. Ou pas? Non, je récupère du cuivre. Et de l'aluminium. Bah ouais, j'en fais de l'alu. Je dois en avoir une pété maintenant. 414, j'en ai pas beaucoup, mais bon. Aluminium, et c'est tout ce que ça prend. Alors hop, sur Yasni direct. Enfin, on va voir ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on va rechercher? Est-ce qu'on continue quand même avec des Dockside? Pour les Kalachnikov, par exemple. Après, les réflexes, je sais pas trop où est-ce que ça va aller. Mais je crois qu'on va partir sur des Dockside. Et puis, je vais pouvoir les équiper. Je sais pas, par contre, si cette troupe-là avait récupéré sur l'SKS. Tout ça. Mais ça consomme quand même 25 fers. Je pourrais m'en fabriquer un ou deux. Toujours utile, si jamais j'en perds. On verra au moment où je vais en perdre. Du RPG, ça. Ouais, de toute façon, j'en avais déjà encore beaucoup. Je vais laisser tel quel pour le moment. Maintenant, la munition, normalement, devrait être bon sur la 121e. Si je regarde maintenant les SKS qui étaient en bas. Voilà, maintenant ils sont équipés, mais pas encore complètement. Et pourtant ils en ont 2000, 3000 quasiment, donc pourquoi? Parce qu'il y en a qui en ont 300 et d'autres 200 là. Enfin bon, bref, 200 ça suffira pour une bataille en même temps, mais. Mais ça me paraît bizarre. Enfin bon, bref, allez, je vais vite sauvegarder, et puis on va avancer encore un coup. On va faire à tenaille en fait sur la partie du bas, je pense. Par contre, ça va être dangereux quand même là. Parce qu'il doit y avoir encore des villes là-bas, hein, vu que la frontière elle avance. Je pense que l'idéal serait quand même de prendre cette zone-là et cette zone-là. Mais là-bas, ils sont 18. Ils sont 18 quand même. Ça va être une grosse bataille là.
La centième, on a 18 aussi. Là où on est 20. Et la centième, franchement, là, avec les armes qu'ils ont, c'est un petit peu médiocre hein, quand même. Il va falloir les rééquiper aussi, ceux-là. Peut-être sur Compilios, ils ont du Kar, ils ont du Mosin, mais ils ont pas assez d'armes pour que ce soit assez efficace. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Là, c'est hésitant. Là, c'est vrai que l'idéal serait quand même d'attaquer celui-là. Je pense que dans le mieux en fait à faire, ce serait de monter la centième à là-bas pour protéger. De faire redescendre la 121e. On va faire ça. On va faire ça. Et puis là, on va arriver à 41 minutes. Non, je pense que je vais arrêter l'épisode ici. Et j'ai l'impression que ça va vachement vite là. Mais tant mieux. Alors, Alland, ça c'est bon. Ils font de la bouffe. Ils font de la pâtisserie et puis de la conserverie. Du coup, usine d'aluminium, là on est bon. Usine de fer, on est bon. Et par contre, il me manque l'usine de cuivre. On va se faire ça. Par contre, usine d'alcool, il me semble qu'il faut. Ah, qu'est-ce qu'il me manque? Il me manque de la pierre. Des spécialistes de la construction de bâtiments, chacun de ces chantiers de construction donne une augmentation stable de constructeurs dans notre république, accélérant ainsi la construction. Ça, c'est pas mal aussi à faire. J'en ai déjà construit un en fait, ou pas? Même pas, mais si ça peut accélérer, franchement, ça va être vraiment bon ça. Mais je préférerais, quoi que non, on pourra faire ça en attendant de se faire de la pierre à côté. On a une carrière de pierre. Enfin, on a une fosse à pierre. Non, non, mais on va commencer par ça. Allez, vas-y, je fais ça. Là, on met le chat. Et puis, hop, donc eux, ils vont monter. Là-haut, et la 121e, elle va redescendre. Voilà, ça c'est beau, ça j'aime. Quoi? Bon, ça va traverser nos frontières d'état neutre. Hein. De quoi tu parles? Ah, mais en fait, c'est quand je débarque ici, c'est ça? Ouais, hop. La guerre est la seule solution pour le développement intérieur de notre État. Dans quelques mois, notre armée marchera dans leur capitale. Est-ce que j'ai une nouvelle guerre ou c'est moi? Il y a un truc que j'ai pas compris là. J'avais sauvegardé ou pas? Ouais, je crois, ouais. Diplomatie. Bah oui, mais c'est quoi cette histoire? Je commence à avoir beaucoup de guerres là, il me semble. Benevento, et puis cela, d'accord, mais cela, c'est qui? Ah, mais attends. Ah, mais non, mais j'ai fait une erreur! Mais regardez là-bas, là. Pourquoi c'est le même drapeau qu'ici? Je comprends plus. Alors, attendez, attendez. Je vais juste recharger quand même. Il y a un truc que j'ai pas compris. Il y a une chose que je n'ai pas compris. 5 janvier, là. Parce qu'avant, j'ai pu rentrer. Mais du coup, ça c'est ma ville. Donc normalement, c'est dommage, il devrait y avoir un truc quand même. Parce que là, c'est le même drapeau que là. Donc là, ah mais non, mais c'est avec eux que je suis en guerre. Mais du coup, eux, en fait, devraient être en guerre avec eux. Parce que eux, le drapeau, que je regarde bien. C'est ceux-là. Je suis à moins 66, d'accord. Mais je suis pas en guerre avec eux. Par contre, Wallon, ça doit être ceux-là, alors peut-être. Mais eux, je peux les attaquer. J'ai l'impression qu'il n'y a personne, d'ailleurs. Et si on faisait un test pour voir?
C'est quoi cette histoire? Ils doivent pas être nombreux en tout cas. C'est là, je comprends pas, donc là, je fais juste en auto pour voir, mais. J'en ai perdu quelques-uns, mais pas grand-chose. Attends, je continue. Mais... Il n'y a personne là. Attends. Puis la guerre, je suis en guerre contre ces deux encore. Pourquoi? Là, il n'y a personne. Il n'y a pas de troupes. C'est quoi ce pays de merde? Ah bah j'avance, hein. Puis avec eux, je suis en guerre aussi. Et là, de nouveau, il n'y a personne. Ah bah je rafle, hein. Là-bas, il y en a 14. Auto. Ah, ils sont 60 hein, quand même, attention. Ah, ça va, ça va. Ah, mais sans déconner. Bon, là par contre, je prends pas mal de terrain. Mais là, j'avoue que j'ai pas tout compris. Parce qu'en fait, maintenant que je me suis retrouvé ici, et si je quitte le secteur, je me retrouve en guerre contre eux quand même. Bon, ils ont pas l'air très, très méchants, mais. Et vous savez quoi? On va laisser comme ça. Je pense, j'ai quand même fait une petite sauvegarde en dessous. Et puis, je sais pas si c'est leur dernier. Non, je pense qu'ils ont encore une ville là-bas. Ben, on va aller juste aller voir. Juste me faire une sauvegarde. Parce que là, je sais pas trop comment ça va partir, mais ça parle en tous les sens, sans comprendre pourquoi. Ben, j'avance, hein. Ils ont qu'une troupe là? Ah, oh oui, non, ils sont 25 là, quand même. Ok, non là ils sont quand même nombreux. On va pas trop faire les malins. On va retourner là. Ah ouais, viens. Ok, bon là ils sont nombreux. Ils sont 300 quand même. Ils sont 300, ils sont quasiment deux fois plus nombreux que moi dans les véhicules et puis en nombre d'hommes. Allez, vas-y, je fais auto, bon, c'est perdu. Ouais, je sais pas. Là, franchement, je comprends. J'ai franchement pas tout compris. Je vais voir un peu en off, voir pour si je peux quitter cette zone-là sans partir en guerre, parce que j'aimerais d'abord continuer avec eux. Mais en fait, avec eux, j'ai pas l'impression que c'est rouge, donc je suis pas forcément en guerre contre eux non plus. Sambro, pourtant, oui. Je suis en guerre contre eux, mais par contre, c'est pas en rouge. Alors, et je sais pas si c'est un bug ou si c'est moi qui n'ai pas tout compris. Et là, c'est Sombre aussi. Ils sont en orange et puis là en gris. Allez, ben d'accord, je rêve pas. C'est bien eux là. Oui, c'est bien le même drapeau. Il n'y en a pas un autre qui ressemble. Non. Alors là, je comprends pas. Alors là, s'il y a quelqu'un qui peut me dire pour quelle raison. Alors déjà eux en fait, bon j'ai pris leur ville, mais dès que je pars, je peux leur dire en fait, ouais bon je sais pas, enfin bon bref. On verra en tout cas pour le prochain épisode. Là j'ai pas tout compris. À savoir en tout cas que ces villes-là, elles peuvent être prises quand même assez rapidement. Mais par contre là ils sont quand même très nombreux. Hein. Eux ils sont costauds je pense, donc il va falloir faire attention. Et puis il faut pas avancer trop vite. Donc voilà, en tout cas je vais m'arrêter ici. Comme d'habitude, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et puis je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!